TPMP, Mélanie Bernier qualifie l'émission de vulgaire, micro ouvert. La comédienne ignorait qu'elle était filmée, lorsqu'elle se confia à Kev Adams. C'est un cri du cœur que Mélanie Bernier pourrait bien regretter. L'actrice qui partage l'affiche de Le Vadict avec Kev Adams, s'est confiée à son partenaire de jeu pendant la coupure pub de Touche pas à mon poste, il y a quelques jours. C'est vulgaire ici, a-t-elle lâché. En neuf, pensait-elle, sauf que son micro était resté branché. C'est dans l'émission elle-même, qui fait feu de tout bois, que la séquence a été révélée. Plus précisément dans la chronique 43 de Jean-Luc Lemoine, c'était la première fois que l'on recevait Mélanie Bernier. Et a priori elle ne regarde jamais l'émission. Donc elle a tout découvert avec beaucoup de surprise et d'amusement, a expliqué l'humoriste. Même les kéhommes, ils sont vulgaires. Et de relancer ce moment où la comédienne s'exclame, mais c'est elles sont ces vulgaires ici, battu les a vu les meufs, répond entre ses dents Kev Adams, visiblement gêné. Mon Dieu. Mais toi, t'aimes bien, reprend la jeune femme. L'humoriste semble chercher ses mots, lorsque Benjamin Castaldi vient les saluer. Bonsoir, enchanté, lui dit-elle avec un large sourire. Puis elle reprend à l'oreille de Kev Adams, même les kéhommes, ils sont vulgaires. Tout le monde est vulgaire. Tout le monde. Dans cette émission où tout est archi-commenté, la séquence a étonnamment peu suscité de remarques. Seul Mathieu Delormeau s'est réjoui de n'avoir pas été présent lors de la venue de la comédienne. La mine déconfie de Benjamin Castaldi laisse toutefois imaginer la gêne générale de la part des animateurs. On devine qu'après cette gaffe, Mélanie Bernier ne sera pas invitée de sitôt dans l'émission de Cyril Hanouna.